Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super super bien. On se retrouve sur Star Citizen pour une petite route commerciale pour un petit fret. Alors je n'ai pas la prétention d'être un maître de ce jeu, loin de là. Juste voilà, vous faire partager une petite expérience et vous amener faire une petite balade. Donc allez, on est parti sur l'univers. Donc j'ai actuellement deux vaisseaux. J'ai l'Aurora que j'ai jamais acheté et qui a atterri dans mon garage comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Non, je pense que c'est les devs qui ont dû le donner étant donné que je m'étais j'avais acheté le jeu dès sa sortie. Voilà, acheté son alpha dès sa sortie, pardon, plutôt. Et j'ai aussi j'ai oublié, excusez-moi. Le je vais le faire spawn, je vais vous montrer. Le Mustang Alpha, ouais. Alors celui-là je l'avais acheté en Kickstarter pour une quarantaine d'euros. Ouais, tu prends quand tu veux, jeune homme. Voilà. Voilà, donc on a là et après on a l'Aurora qui est ici. Voilà, et lui je n'ai jamais acheté, je l'ai trouvé dans mon garage. C'est excellent. Alors nous le fret on va le faire avec l'Aurora. Parce que pour les frettes, j'adore ce vaisseau. Et qu'il est déjà rempli. Hop, on est parti. On revient au menu. On s'en va dans le Crusader. Alors, normalement, je les soute déjà remplis. Je pense que j'ai eu un problème de navigation qui a fait que je n'avais plus aucun repère sur la map pour pouvoir naviguer. Donc, j'ai dû le rappeler. Voilà. Je vais bien explorer, on va aller voir s'il est clair. Ouais, j'ai pas du marqueur. J'ai perdu ma cargaison. Voilà. J'avais 5000 crédits, plus de 5000 crédits, j'ai perdu la cargaison. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est j'ai eu un problème en fait au niveau de. Quand je suis passé en hyperespace et quand j'ai voulu me. Voilà, j'étais parti sur Delamar. Et quand je suis sorti de l'hyperespace, je n'avais plus du tout aucune navigation à l'écran. Donc j'ai perdu complètement ma navigation. Ce qui a fait que j'avais plus de repères pour pouvoir me diriger vers la station Levski qui est à Delamar. Et résultat des courses, donc j'ai atterri pour essayer de voir si je pouvais récupérer ma nave. En fait, j'ai pas pu la récupérer parce qu'en remontant dans le vaisseau, je suis mort. Ce qui m'a fait respawn évidemment ici. Et j'ai rappelé, j'ai reclaim donc l'Aurora et là je vois ma grande surprise que j'ai perdu. Et j'ai perdu toute ma cargaison parce que je n'ai plus de scum. Alors là, j'espère pouvoir remplir ma cargaison et j'espère pouvoir faire la mission normale. Alors là, je vais tous les perdre, c'est normal, mais j'en récupérerai 232. Bon, après, avec les missions, vous pouvez récupérer facilement des crédits. Alors, on va le faire spawn.
Your ship has been delivered to the following landing pad. 1-0-2. Non, alors je veux bien regarder ici, il est bien plein. Hein. C'est pas la connerie. Mais j'ai pu en mettre qu'un. J'ai pas pu remplir ma soute en fait. J'ai dit combien? Je me souviens plus tard. Ah, 0-1, je crois. Il est où? Il est ici. Ouais. Non. Alors j'espère que je vais pas avoir de problème. Alors dans Star Citizen, tout est fonctionnel dans le cockpit. Alors, déjà on va allumer le cockpit. Welcome to Robert Space Industries. Tout ça c'est fonctionnel. Enjoy the ride. System check. On va allumer les moteurs. Engines are on. Je vais demander autorisation d'atterrir. De décoller. Bon ok. Allez, bon, on est parti. Alors, veillez bien à mettre votre réticule au milieu. Alors, moi, je joue clavier-souris. Take off complete. On rentre le train. Landing gear raised. Je vais baisser un petit peu le son du jeu. Parce que ça me paraît très fort, tout ça. Voilà, on est un petit peu moins fort. On va voir la SAR map pour aller à Delamar. Donc on va la démarrer et de démarrer on va la délamarre et de démarrer on fera là. Je crois qu'il me manque des planètes là. Voilà, là, on démarre.
hydrogen fuel is at 100%. Petit problème de calibration. Button drive is now on. Quantum drive is now off. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off.
alert. No.
Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Takeoff complete. Shields max. Hangars open. And the flight path clear. Go ahead and launch. Collision alert. Halt. Collision alert. Rear. Luck out there. Landing gear raised.
Quantum drive is now on. Chat selected. Fan selected. Quantum drive is now on. Is now off. Please proceed to assigned landing bay. Warning, you are blocking an active flight bay. Please vacate the vicinity. Initiating ship storage procedure. For your safety, please vacate the area. Thank you for your cooperation. Collision alert. No. Landing gear deployed. Landing complete. Doesn't stay.
Bon ben voilà la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker. Donc comme vous avez pu voir, la Hyundai que j'ai vendue, ça vaut rien. N'achetez pas ça à Levski. Ce qui rapporte à Levski, c'est les medical supplies. Donc que vous rachetez à Port-Olysée et que vous revendez à Levski. Ça rapporte pas mal. Quoi pas mal, ça rapporte un petit peu. Ça rapporte plus que voilà. Plus que ce que j'allais amener. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, mais je crois que je l'ai déjà dit. Si vous voulez avoir d'autres vidéos sur Star Citizen, n'hésitez pas non plus à le poster dans les commentaires. Si vous décidez, si vous aviez envie, si vous avez envie de... il m'énerve, regardez son pistolet là, de faire tant de bruit là. Ah, il y a toujours des, excusez-moi le terme, mais toujours des casse-couilles quoi. Voilà, c'est excitant. Donc on peut faire des petites balades si vous voulez qu'on fasse des petites balades. Voilà. Ferme ta gueule. Voilà. On va lui dire comme ça. Parce que les gens qui s'excitent. Oh ben ça, il a arrêté. Les gens qui s'excitent à tirer sur la station, ça m'énerve. Donc voilà, n'hésitez pas à poster vos petits commentaires. La prochaine fois, on ira se balader sur d'autres planètes. On ira faire d'autres tours, un petit peu partout. Histoire de farmer un petit peu, de visiter un petit peu ce que propose l'Alpha. Comme vous avez pu voir, le pilotage des vaisseaux à la souris clavier, c'est pas évident. La manette, c'est pire. C'est pire la manette. J'ai essayé la manette, n'essayez pas la manette. Faites le souris clavier. Parce que le pilotage, c'est vrai que dans Star Citizen, il est pas tellement actif. C'est un petit peu comme si vous pilotez un hélicoptère. Donc, il faut vraiment anticiper tous les déplacements. Quoi. Voilà, il faut pas vous déplacer au dernier moment parce que voilà, vous tapez. Donc, il faut toujours anticiper un petit peu le déplacement. Bah voilà, je vous dis à très très, très bientôt. Et sachez une chose, c'est que vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao. To explore the farthest reaches.